Ce lundi 16 avril 2018, dans la rubrique 6 minutes pour trancher de RTL Matin, l'émission d'Yves Calvi, l'avocat de Laura Smet, Emmanuel Ravana, lançait cet appel à Laetitia Hallyday. Au bout de la route de ce terrain judiciaire, il y a l'application de la loi française. Le fond du débat est le suivant: le testament américain de Johnny Hallyday est-il recevable? Note de la rédaction. Jeudi, déployons l'intelligence du cœur, arrivons à trouver un accord essentiel sur deux points: l'avenir immense de Johnny Hallyday, du devenir de l'œuvre, avec Jade et Joy, et entamons un partage en pleine propriété des biens. Et je forme un vœu, que le 15 juin prochain, nous ayons réussi à trouver un point d'équilibre. Si est à la f que le conseil de la veuve de Johnny Hallyday a tenu à répondre. Meardavan Amir Aslani ne ferme pas la porte au dialogue mais se veut très, très prudent. Nous n'avons reçu aucun courrier et Laetitia n'a reçu aucun appel de la part de Laura ou David. Il ne se dit pas opposé de facto à une conciliation mais pas à n'importe quel prix. Et de rappeler avec force, ils ont quand même tout fait pour que les liens soient aujourd'hui distendus, affirme le cabinet de Meamir Aslani à l'AFP. Si est d'ailleurs l'un des sujets longuement abordés par Laetitia dans son interview au point, les rapports compliqués avec David Hallyday et Laura Smet pendant la maladie de leur père et depuis sa mort.